Bonne année 2014. Des remarques fusent quant au style des Africains, sur la grande diversité africaine, sur les grands symboles de l'Afrique du Nord, sur le dessin stylisé africain et sur le système d'exploitation Linux. À propos de la grande diversité africaine, l'idée est de travailler sur ce que le milliard d'Africains, bantous et sahéliens, ont globalement en commun. Le feu colonel Kadhafi se reconnaissait comme sahélien. C'est une question d'environnement, de code culturel et non d'apparence physique. L'ancien chef d'État du Sénégal, Abdoulaye Wade, et l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sont bien des sahéliens. Le dirigeant sud-africain Jacob Zuma et le musicien camerounais Mano Dibango sont des bantous ayant les mêmes codes. Notons que bantous et sahéliens cohabitent dans bon nombre de pays, au Rwanda, en Tanzanie, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., etc. Qu'à cela ne tienne, le terme « ma » ou « mama » suivi d'un prénom féminin reste une grande marque de respect pour la femme, pas forcément la mère, dans presque tout le continent africain. Mama Aziza est algérienne, tunisienne, marocaine ou tanzanienne. Mama Rossa est camerounaise, gabonaise, congolaise ou du Lesotho, etc., etc. Bien que n'apparaissant pas dans les contes africains, la polygamie liée à la volonté de donner un statut à l'enfant orphelin est commune à tout le continent du nord au sud. Le poids de la famille et la vénération entre guillemets de la mère sont typiques. Contrairement aux dattes du palmier dattier, localisé dans la savane et le Sahel, la vente du maïs en plein air sur un grill posé sur un charbon de bois, c'est bien l'Afrique de mes ancêtres, de l'Égypte au Mozambique, partout, partout. Madagascar, l'île Maurice et les Comores sont des îles africaines de l'océan Indien, caractérisées comme le Cap-Vert dans l'océan Atlantique par un fort métissage culturel. L'Afrique du Sud, elle aussi, comporte de nouvelles cultures importées. À propos de thèmes nouveaux en matière de contes, le thème de l'intérêt général et le thème de l'honnêteté font bien grincer les dents. Il faut relativiser et méditer sur les conséquences psychologiques des pillages des objets de cultes africains pendant les colonisations. À propos des symboles africains en matière de contes, globalement, les grands symboles du sud du Sahara ne sont pas les mêmes que ceux du nord. Seulement, dans les pays faisant la jonction entre le nord et le sud, tous les symboles se retrouvent regroupés. Cameroun, Tchad, Niger et même le Rwanda, le Burundi, etc., etc. Au nord, nous avons comme symbole la vache, symbole de la bonté, le chacal, symbole de la méchanceté, le cheval, symbole de la fidélité, le chameau, animal coûteux et magique, le chien, compagnon du chasseur, etc., etc. Tandis qu'au sud, on a les symboles connus de la savane et de la forêt, la hyène, symbole de la gourmandise et de la bêtise, la tortue ou l'araignée, symbole de l'intelligence, le lièvre, symbole de la ruse, l'éléphant, symbole de la force, etc., etc. Ces animaux seront donc dans le style africain, soit faits comme dans l'artisanat africain, les fers articulés au besoin, soit faits en pâte à modeler maison ou non, soit tout simplement dessinés. Voyez-vous ces dessins sur des toiles ou des cartes postales d'Afrique? Pourquoi ne pas les exploiter, disent certains? Réponse, ils ne correspondent qu'à l'Afrique subsaharienne. Et d'autre part, il est question de faire honneur à l'artisan africain du nord au sud dans un monde empreint à la crise économique, un monde qui aurait intérêt à utiliser les logiciels libres de Linux, particulièrement adaptés à la conjoncture. À propos du système d'exploitation Linux, ma mise au travail évolue parallèlement au système d'exploitation Linux. Passer à Linux revient comme à changer de voiture et hop,
La position des vitesses change, celle des clignotants aussi. Oui, il faut quelques jours d'adaptation. La physionomie de Linux est désormais la même que celle de Windows. La gendarmerie française, corps admirable, est désormais sous Linux, ce qui lui vaut 40% d'économie. La ville de Munich en Allemagne, München, comme disent les Allemands, est, comme d'autres villes d'ailleurs, elle aussi sous Linux, ce qui lui vaut 40 millions d'euros d'économie. Un communiqué de presse de Paris, datant du 9 juillet 2013, nous annonce que le Parlement français, je vis en France, adopte pour la première fois une disposition législative donnant priorité aux logiciels libres. Un grand pas. Mais comme toute loi, il faut une mise en application, en particulier par mes futurs réalisateurs, sachant qu'avec Linux, plus jamais, jamais, jamais de virus. Qu'avec Linux, les logiciels sont libres, changeons, modifions, fini l'esclavage. Qu'avec Linux, nous lisons tous les fichiers, sans exception, de Microsoft Office, même les plus anciens, 98, 2003, etc. Qu'avec Linux, le logiciel Stop Motion est libre et gratuit, mais en rien à envier à Dragon et aux autres. La technique du stop motion, bien qu'ayant considérablement évolué depuis début 2012, reste la technique idéale pour les films d'animation à partir d'objets d'artisanat et de récupération, les personnages humains principaux étant des poupées d'artisanat de l'Afrique qui pourront être soit dessinées, soit mises sous forme de marionnettes articulées. La poupée dans le monde est globalement un symbole de maternité. La poupée du continent africain est encore plus riche en symbolique. Elle est rituelle en Tanzanie, elle symbolise les représailles morales au Maghreb, elle symbolise la fécondité au Cameroun, au Ghana, etc. Elle est un cadeau de mariage pour la fille chez les Ndébélés d'Afrique du Sud ou de fiançailles pour les garçons. Elle est bénéfique ou maléfique au Bénin, etc., etc. Si ma culture venait un jour à être représentée au niveau européen, je dirais, il était temps. Mes remerciements à YouTube pour l'occasion qu'elle donne pour s'exprimer, leur rappelant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel français souhaiterait que Dailymotion et elle financent la production audiovisuelle. Mes remerciements au site LinkedIn pour tous les contacts offerts. Mes remerciements à Google comme formidable moteur de recherche annonçant aux Africains que les langues nigérianes, Yoruba, Igbo et Hausa sont désormais traduites par Google Traduction. Bonne année 2014.